Ben, bonsoir, professeur Géraldo. Donc, aujourd'hui, hein, nous avons journée tout à fait extraordinaire par rapport avec un événement qui était marqué, date ça depuis 12 janvier 2010. Donc, de 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait déjà 14 ans. Côté que Haïti frappé pour une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, des pertes en vie humaine, question d'infrastructure. Donc, Haïti est tombé. Et c'est le moment tout, donc, quand tout le monde était pensé que, à partir de l'événement ça, donc, Haïti était capable de relever et même penser à une éventuelle reconstruction de la nation haïtienne. Et dans toute dimension, thème. Mais je ne vous dis pas, côté nous, là, nous pensons que, donc, c'est déjà difficile pour nous parler de ça. Donc, comme sociologue, comme professeur, la compréhension de date ça, de l'événement ça, donc, c'est ça. Bon, et si nous regardons le rapport et peuple haïtien gagné pendant catastrophe là, après catastrophe là et même avant catastrophe là, on a compris que gagner une sorte de stabilité dans manière d'être nous, dans genre d'exister, c'est que par contre, il y a rien qui ébranle nous. Et le fait que rien pas ébranle nous, mettez-nous dans la difficulté pour nous changer de situation, nous. Au contraire, catastrophe là, engendrer d'autres catastrophes. Une catastrophe de janvier a engendré, c'est la naissance des canards, et en termes espace urbain, en termes d'aménagement du territoire. Depuis très tôt, par exemple, depuis très tôt dans le livre moins, depuis avant Canaran y est allié, annoncé que Canaran prend un danger pour la Foyer société, de un gang. foyer de gang par rapport avec gens qui ont approprié l'espace là de manière anarchique. Et société haïtienne, leur visite société haïtienne, de Jérémy, Cap-Haïtien, Gonaïve, etc., n'a produit catastrophe. On est juste gardé seulement. Gardé seulement, après ces catastrophes, nous produit seulement. Ça veut dire, nous partir en quelle leçon, et ça lié à, j'en ai approprié société. Société, elle n'est pas pour nous. Son espace de transit, son espace où nous refusons d'habiter. Et refus d'habiter, ça, n'est pas seulement un refus d'habiter sociologique, ça veut dire dans un genre approprié territoire, son refus d'habiter ontologique. Dans le sens que nous avons difficulté, un défaut pour nous dire qui est-ce nous est. Un problème d'ancrage. Programme d'ancrage social, ontologique, qui fait que événement n'est pas réveillé nous de léthargie ça. Au contraire, il enfonce nous dans une léthargie qui beaucoup plus profonde, qui fait réaction nous, c'est des réactions, des cas dit, c'est des réactions épileptiques. Vous avez déjà utilisé la notion ça déjà. Vous avez dit, ouais, l'homme a une épilepsie. On la secouer et puis les revenir et puis les sauter. On c'est toujours des réactions émotionnelles, épileptiques. Nous gagnons et puis nous refusons nous-mêmes. Bien, au lendemain de 12 janvier 2010, donc après catastrophe, bien entendu, nous avons dit que tout le monde était presque dans la région, dans la zone métropolitaine, qui va permettre que, donc, une cohabitation de tout le monde, on ensemble, dans le même espace. D'abord, expliquer une forme de solidarité humaine qui est constatée. Mais ça va empêcher tout. Après catastrophe, à force que nous avons marché sur la mort, fait que nous avons une compréhension de la mort, donc la vie n'est pas trop intéressée par son d'ailleurs. Est-ce que d'après vous-même, vous pensez que 12 janvier 2010 gagne quelconque rapport avec la façon dont nous vivons aujourd'hui, hein? Et surtout la question de kidnapping, une question. Et occuper espace tout le monde pour n'importe bagarre. Est-ce que d'avoir une mémoire Oui, nous avons dit ça très clairement parce que le rapport nous avec nous est dégradé beaucoup plus après 12 janvier. Et depuis avant 12 janvier, la mort pas ébranlé nous. Par exemple, à la ville là, machin n'a pas tout près, yo tiré un monde tout près, cadavre là, a giclé dans son lit, et puis tout le monde a vaqué
librement à activité yo, ça va te déranger. Mais événement du janvier, il y a une sorte d'excroissance de ça que tu as fait déjà. Côté moun empilé dans toute la rue, dans un moment, c'est un moment vraiment apocalyptique. Parce que moi-même, je au prince de vivre événement. Ouais, ça veut dire côté la mort, pas ébranler nous, mais je dis assez encore. Nous franchissons cap, je dis. Par exemple, il y a même une forme de cannibalisme qui développé, côté négatif, manger bien de monde. Ouais, nous, on ça avec gang qui a coupé moun mette dans bouette, etc., boucané, et puis vidéo a circulé. Et bon, familiarité, nous développer avec l'horreur. Bien qui fait que bon étape qui franchit, ça veut dire nous avons plus l'effort pour nous faire sous tête non. Bien, bon, mon dernière question, je désolé. Et pour Saint-Amand, donc écrit en ville, et surtout sur Haïti, donc le texte fondamental, c'est politique de l'insécurité. Je crois que c'est pas trompé. Et là-dedans, nous développer une réalité qui est vraiment intéressante. Je ne vais pas poser question sur ça, c'est plus sur nous en Haïti. Est-ce que d'après vous, Saint-Amand, vous pensez que vous êtes optimiste par rapport avec un éventuel changement de réalité haïtienne, non? J'en avais aujourd'hui. Bon, le constat est fonctionnement de la société haïtienne, non, pas qu'à optimiste. Au cas optimiste de la volonté, comme formule Gamchia, si je ne me trompe pas, moi. Mais, soit regarder la réalité, dans le genre de fonctionner, dans l'effort où est capable de dégager, pas gagner pour faire optimiste. On a juste une forme d'optimisme de la volonté, une sorte d'espérance. Ouais. Une sorte d'espérance qui n'est pas chita sous rien matériel. Bien, merci pour cette question. Et c'est à moi, excusez, parce que vous acceptez bah, nos impressions de 12 janvier 2024 par rapport à 12 janvier 2010. Donc, c'est un plaisir pour les citoyens de la cité. C'est ton Posez plaisir pour moi. et je dis en fait 14 ans, c'est-à-dire 12 janvier Oui. 2010, 12 janvier 2024, ça fait 14 ans. Depuis Haïti, tu es frappé par une catastrophe naturelle et 14 ans, et tremblement de terre là, qui t'a fait que tu es gagné une perte en vie humaine et du point de vue infrastructurel tout. Donc Haïti, tu es vraiment frappé. Et qui fait que tu t'es même pensé qu'à partir de ça, Haïti, tu es capable de reconstruire, redémarrer. Mais comme professeur, comme citoyen haïtien, donc qui regard, qui compréhension gagne de 12 janvier 2010 à 12 janvier 2020. 24, comment on voit ça? Bon, ma première chose, c'est Gédéon, pour possibilité de moi parler de ça. Donc, normalement, l'on regarde les sociétés haïtiennes, non, n'est pas vraiment son société qui tire le son de l'histoire. Parce que, si l'on regarde les leçons qui t'as supposé tirer de tremblement de terre de janvier, surtout en termes de construction, yo, on a l'impression que pas vraiment il y a une leçon qui est tirée. Peut-être dans l'an 2 mai de janvier, après que tu as des grilles de ministère de la propriété bail pour construction, mais qui façon pour faire ça. Mais on a l'impression avec le temps, bail ça va tomber dans l'oubli et on continue avec la même pratique de construction. Parce qu'on a songé, qui a été fait connaître que, et c'est vrai que magnitude n'est pas importante, mais plus perte que nous sommes capables d'occasionner, c'est par rapport avec mon qui n'est pas vraiment informé, qui n'est pas vraiment comprendre ça crée et tremblement de terre. Après que grand pile de monde qui était peur, une fois que tremblement de terre a été fini passé, les répliques tout à bail, alors que nous connaissons tout gros tremblement de terre toujours accompagné de répliques. Or, mon yo même était trop peur ça. Tout ça qui montrait que pas vraiment gagné information, nous pas vraiment connaître. Vous comprenez? Et après 14 ans, franchement, si ma PC est honnête à tête, nous pas vraiment rien fait. Au contraire, la situation est bien dégradée. Et nous sommes capables de prendre par exemple, ça a été 12 janvier était pour Port-au-Prince, mais si nous prenons pour Cap-Haïtien, par exemple. Cap-Haïtien, tout le monde dit, par rapport avec Faïla qui a magasiné l'énergie, bon potentiel tremblement de terre pour Cap-Haïtien. Mais est-ce que société civile, l'État,
senti yo préoccupé de ça, nan créé des scénarios pour évacuation, on prend mettez des sirènes, on prend non pas que ça. On s'est dit que non plus nos attitudes n'attendent les catastrophes arrivées au lendemain pour n'a juste plein de lui. On prend pas vraiment gagner en qu'un bah sous ça. Bien, merci, professeur Desrosiers. Mais gain après tremblement de terre, c'était une réalité qui était imposée. Une réalité côté que grand monde qui était sinistré, ça devait faire que, en bas de surtout, c'était une forme de solidarité qui était témoignée, une Effectivement. forme d'humanisme à la Caraïbe. Mais que de 2010 à 2024, donc réalité a changé. Donc, on reprise de manière continue l'activité, qui nous fait que, on est capable de sentir que, même solidarité était dégagée avant, commencer à perdre de l'eau. Et puis, on a constaté toute une forme de banalisation de la vie par rapport à avec nous, on a kidnappé, on a tué, on sans raison, etc. Mais est-ce que, d'après vous, vous pensez que 12 janvier 2010, les gagnants ont bien sous ça? Et d'après vous-même, est-ce que vous avez réellement une possibilité pour espérer de ça, pour repenser réalité haïtienne en termes d'humanité? Bon, et prononcer pour t'as dit que 12 janvier un rapport avec réalité, ça n'a pas aujourd'hui à la 14 ans après, moi c'est que nous manquons peut-être d'études pour t'as été il. Mais seulement, j'en dis la question, nous observons que la haïtienne vraiment manqué d'humanité. Parce que c'est un bail qui est toujours qui est très intriguant. L'on regarde un peuple. Côté que les ancêtres ont été mis en esclavage, pour peuple ça, que je vous dis là, fait de kidnapping au moyen pour le faire l'argent. Ça, c'est un bail qui est très dur. Parce que les gens qui kidnappent en Afrique, une fortune esclave là, bah, même si vous avez une histoire, si vous avez bon, si une éducation qui est faite réellement dans le pays, hein, moi, j'ai trouvé d'autres formes de criminalité, mais kidnapping, non, tu as droit. Et des gars dit on limite on extrême pour haïtien pas tomber là-dedans. Oh, je ne dis là c'est monnaie courante quand on lève un tel, je lève un tel. Et chaque fois on lève un groupe monto. Donc de solidarité on va parler hein, là qui te gagne après 2 janvier solidarité en battant là. Faut pas joindre parce que là on lève par exemple un professeur, je non solidarité la caille, professeur. Là on lève un autre professionnel, je non solidarité la caille, groupe de professionnels ça. Donc pas vraiment gagner. Ça n'est qu'à dire, bon, en ce qui me concerne, en solidarité haïtienne. Moi, c'est que solidarité que nous devons en battant là, c'était plus une sorte de un réflexe. Un réflexe qui est lié à proximité, mon côté, une gagner. Donc, proximité, ça, qui peut occasionner survie. Donc, faut que nous vivions. Eh bien, si pour nous vivre, faut que nous vivions ensemble. Eh bien, ça défait. Mais après, que, automatiquement, que on commence à sortir en battant. On peut nous tourner dans un train habituel là. Un train habituel là. Donc c'est ça. Bien, merci professeur Desrosiers parce que vous avez accepté votre question ça et puis bonne journée. Eh bien, bonne journée, professeur Gédéon. Donc, on va retourner dans la classe. D'accord. 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait déjà 14 ans. Vu Haïti frappé par une catastrophe naturelle qui va causer des pertes en vie humaine. Et toujours matériel, parce que nous avons dit que le département qui était pratiquement détruit, qui c'est le département de l'Ouest. Mais après 12 janvier, on peut penser que c'est des possibilités pour Haïti reconstruire, redémarrer, ben, comme Haïtien et Haïtienne, nous avons constaté la réalité, on dit nous autre chose. Donc, Madame Eugénie, je dis, hein, son plaisir pour les citoyens de la cité recevoir et en même temps, Mando. Compréhension, appréhension comme citoyenne haïtienne de réalité, ça. Donc, si vous avez 12 ans, bien, comment ça va et qui compréhension bien par rapport avec l'évolution que vous avez vécu dans ça. Bon, je ne vais pas vivre directement parce que moi-même, je suis dans le nord, je suis au Cap. Mais quand même, j'ai une famille, j'ai des camarades, même j'en connais presque tout le monde. J'ai des gens quand même comme si qui étaient frappés, qui étaient venus affectés par la suite. J'ai un frère qui était à l'école pendant la période là, qui était obligé à péter pour sortir de la caille. J'ai une cousine qui était habitée dans Delma 3. C'est vrai que quand ils n'ont pas tombé, mais ils ont fait un paquet de temps à dormir sur place là. Voilà, oui, normalement. Donc,
ça a été affecté tout le monde parce que nous avons perdu famille, perdu cousine proche moi, petite soeur papa, et puis perdu camarade, côté fin on fait un paquet de temps avec eux, fait 7 ans ensemble avec eux et pour fin perdu on a 2 janvier. Bon même tant que j'en sois dit, tout le monde était pensé que après 12 janvier Haïti t'apprend à le rebalancer. Mais 10 ans plus tard, c'est pas ça que moi. Tout d'abord, les côtés peuple là, population, hein, parce que moun yo continue à construire même gens. Et malheureusement, pas gen autorité yo pa la tout comme si pour aller les oreilles pour dire que bon, nous t'ai fait telle erreur dans le passé, qu'on y a là n'a fait telle bagarre telle chose. Pas gen ça. Nous ka comme de faire dire ça. Nous ka prend image Vélo Cap comme si la pluie qui saute tomber là qui dégale fait. C'est par rapport à la construction qui toujours mal faite dans mon yo, canal yo qui bouché, qui faut ouais que nous rivé là et c'est pas qu'on y a tout qu'on a plein dit que canal bouché, que construction a mal faite, mais nous style continue à faire. Pas vrai? OK. Bien, il y a une autre question bien pour madame Eugénie et 12 janvier il fait un pile mort. C'est que Haïtiens pas expérimenté ou ensemble de catastrophes humanitaires, donc surtout en perte de vie. Mais c'est vrai que vous avez pensé à partir de solidarité qui existait entre vous, qui sont en train de nous appeler de l'autre monde, etc. Vous avez pensé que les Haïtiens étaient plus humains que ça. Mais je vous dis, ça n'a fait comme réalité, c'est que chaque jour, on a kidnappé, on a crié, on a brûlé, etc. Et, est-ce que d'abord, vous pensez que 12 ans de 2010, les gagnants ont quelconque influence sur ce qui a passé aujourd'hui? Oui, capable de dire oui. Mm-hmm. Parce que, avec le phénomène, tant pour pas pour ça là, moi-même, pas de well de bon oeil. Et puis, parce que ça a été venu durer toi, c'est vrai que tu as un corps qui t'a débloqué comme si pour te retirer mon yo en bas, comme si plus bonheur que possible. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui en battent. Ou bien, il y a des gens qui sortent en battent, c'est avec mes possibilités qu'ils ont gagné. Ce n'est pas l'autorité qui retire. Oui, ça, c'est un bagage qui fait que nous l'avons. Ou bien, madame Eugénie, si vous avez une pensée pour nous, quelqu'un qui peut frapper nous en avant, de manière indirecte, de problème d'intervention, c'est plus ça d'ailleurs. Moi-même, ça que m'a dit, un moun yo ki mouri a yo mouri déjà, malheureusement. Mais pour nous-mêmes, qui l'a toujours. Et pour si moun nou pral fè, moun kap grandi yo, je pense que, en fait, gen décision faut que nous t'apprenons, jodi ya. Parmi décision yo, je pense que faut nous faire plus sensibilisation. Plus sensibilisation dans toute communauté haïtienne non? Et puis parce que faut que nous ta former mon yo en matière de premier secours, comment on peut aider en l'autre leur mon victime de telle façon, et puis construction autour, faut que l'État prend responsabilité. Ça me pense que tout ça est important pour au moins si y a bien un prochain. Nous pas vle ça, mais c'est catastrophe naturelle, nous pas ka éviter. Et donc si y a bien un prochain pour nous capable mieux préparer et moralement et par contre matériellement. Bien, merci madame Eugénie, vous êtes d'accord pour accepter répondre quelques questions des citoyens de la cité. Donc vraiment remercier pour disponibilité. Donc, j'espère que la prochaine fois on vous rejoindra encore. D'accord. Comment nous est donc son plaisir aujourd'hui hein, pour les citoyens de la cité en contrôle. Donc nous avons un contexte tout à fait particulier dans le sens que aujourd'hui en fait exactement 14 ans depuis Haïti été frappé par une catastrophe naturelle en tremblement de terre. Donc victime en termes de perte humaine et question infrastructure tout. Donc qui te permet que Haïti ait même pensé après tremblement de terre avec une possibilité pour nous être capable de retrouver nous ensemble. Mais après 14 ans, donc nous côté nous. Donc comme haïtien, comme monde qui vit réalité, hein, donc très probablement dans le moment où on peut-être pas d'Haïti, mais quand même, où la réalité en est toujours quand même. Donc par rapport avec tant
12 janvier 2010 là, et à jeune aujourd'hui qui sont bien comme appréhension, comme ouais réalité ça. Bon, on va pas saluer vos heures. Bon, ben c'est 12 janvier, c'est un moment de gloire qui marque nous par rapport à des gars qui étaient passés, mais aussi où tu as l'impression qu'on va qui t'a pas le fait. Bon, chambardement, comme dit, nous avons réparti son autre cap. Mais 14 l'année après, nous avons dit, jusqu'à présent, nous avons cherché des parents, mais nous avons vraiment joué. Parce que son tremblement de terre, si bien que nous nous situons dans l'espace côté, nous avons toujours des tremblements de terre. Mais quand il y a une question, si un tremblement de terre passe à une telle magnitude dans un pays, comment ça a bien? Donc là, quand on pose la question, est-ce que vraiment nous avons un changement ou une amélioration par rapport à si ça t'a reproduit? Je pense que jusqu'à présent, il n'est pas vraiment un changement, pas vraiment un changement drastique. Je ne peux pas dire des préférences. Il y a quelques petits bagages qui sont faits par rapport à quelques bureaux d'études qui mettent quelques sismomètres quelque part. Mais en réalité, en termes de construction, tu n'as pas résisté à un certain niveau. Je ne peux pas penser à ça. Surtout l'État par rapport à la responsabilité. Et puis, citoyens autour. Citoyens ont construit n'importe quoi. De continuer à construire sans aucune norme, sans aucun principe, et même si l'État n'a pas intervenu. Bien, et pour ce lance, après le tremblement de terre, il était constaté, surtout dans une zone qui est frappée, Port-au-Prince, Tikwav, Léogane, etc., côté que tu gagnes une forme de solidarité qui existait entre Haïtiens, qui te permet de penser que Haïti, c'est mon yo, conscient que l'autre land existait bon côté. Mais tu as l'autre bagage qui t'a frappé tout de question après le monde démoni qui fait que mon intérêt de compréhension de l'amour. Ça n'a pas empêché que je dis après forme de solidarité ça nous voit que mon a kidnappé monde qui sont en sécurité pour tout. Donc est-ce que d'après vous même comme possibilité pour Haïtien reprendre l'humanité? Oui, bah c'est tout est possible. C'est possible parce que dans le niveau nous descendre là, bah c'est lié à un paquet de phénomènes. Regardez, Jean nous avait voulu un pays, hein, et on l'État qui prend pas responsabilité. Donc, bon, c'est possible, c'est nous même le nouveau dirigeant qui a l'État en de façon, côté qui a investi dans le capital humain. Bon, c'est ça qui permet de nous retourner. Regardez comment entre nous, nous capable de manifester solidarité encore. Si bien que je ne dis pas, au groupe de monde qui va prendre la vie de mon point, hein, qui kidnappe le monde, qui fait ça, mais bon, c'est. Il y a tout à des gringolades qui viennent au niveau de l'État pour mettre ça arrivé. Écoutez, là. Ok, bon, et selon mot, dernier mot, c'est qui ça arrive? Bon, c'est nous, on pense c'est spécial à PIA, à toutes victimes, qui viennent familles qui sont victimes dans le tremblement de terre. Et nous pensons tout. Il est pour qu'on réveille dans la société, hein, pour que nous pensions autrement, et puis pour nous capables de connaître, risque tremblement de terre toujours là, et pour nous préparer nous en conséquence. Bien, merci pour ce lance de citoyen laïcité. Remercions. D'accord, je vous remercie. 12 janvier 2024, 12 janvier 2010, 14 ans, même si je suis à l'envers, depuis Haïti était frappé par une catastrophe naturelle. Donc, une catastrophe humanitaire tout, qui va tout déclencher après. Un peu de monde mourir, un peu de bâtiment, un peu d'infrastructure détruite. Donc, l'économie nous a baissé et un peu de monde qui était pensé que après. Et événement ça, catastrophe ça, bien entendu, Haïti a des possibilités pour te relancer dans la question union, dans la question et mise ensemble et repenser Haïti, reconstruire Haïti. Mais après 14 ans, nous constatons que aujourd'hui, hein, côté nous, il est là, bah, c'est que c'est plus que mal que bien. Donc, c'est un plaisir pour nous parler aujourd'hui avec deux professeurs universitaires qui, bien entendu, des victimes de 2 janvier 2010. Parce que nous tous, nous sommes dans le même environnement, Port-au-Prince, dans le pays, même si nous sommes dans le pays, peut-être pas Haïti. Mais nous vivons toute réalité. Yo. Donc, je dis, on a cherché à garder l'impression. Comment nous comprenons la réalité hein, et de 2010 à aujourd'hui, hein, qui est-ce que tu nous fais comme professeur? Bon. D'abord, moi, c'est au capable de dire qu'est-ce que tu es. Poser Gédéon, bon, d'abord, je salue où. Moi-même, c'est le professeur Voltaire, Jean-Marc. Effectivement, parmi toutes catastrophes que y a connues, catastrophes naturelles, bien sûr, 2010,
12 janvier 2010, li kite la kay nou, yon sekèl, yon bagay, ke Haïtien pata dwe janm liye. Yon te gan pil, yon chif la mba genyen. Yon 300,000 moun. Yon 300,000 moun. Ke nou pedi, nou genyen pil ki handikapè, yon ampute, an pil pèt au niveau édifice nou yo, an pil pèt matériel. Donc pays a an di question, donc c'est une catastrophe, donc nou te vin tombe nan question bagay urgence humanitaire. Effectivement la mentalité an pil haïtien après catastrophe ça, catastrophe ça, via catastrophe ça, c'était yon nan moyen pour nous ta recommencer, repenser à reconstruire pays a. Bien que reconstruction pa konnen la tête tout haïtien yo te wè seulement infrastructure, édifice. On dit nous te attend à partir de événement ça qui t'est passé a. L'homme haïtien t'apprend nous t'apprend recommencer, reconstruire l'homme haïtien même. Donc notion vivre ensemble tout ça nous t'est perdu soit que nous t'apprend retrouver et renforcer côté identitaire. Mais 14 ans après j'en ai parlé là. Donc si on fait une analyse n'a dit est-ce que ces pays a cette seulement qui secoué. Donc moun si là yo qui rete yo, est-ce que vraiment, est-ce que nous même pour gens nous n'a vivre, pour gens nous nous vinié, pour ça nous vinn manquer, nous vinn sentir nous manquer en tant moun. Est-ce que au niveau cervical tout tête nous pas secouer tout, parce que nous avons l'impression après 2 janvier au lieu nous prendre conscience nous venons plus inconscient. Bon construction nous t'a parlé, bon prend côté ça nous venons construire plus mal, nous venons construire plus mal, pas aucun travail qui fait, aucun travail assainissement, pas aucun travail irrigation, aucun ou après quelques zones nous pas bon pas gagner, pas gagner personne, pas aucun surveillance, pas aucun contrôle. OK, donc nous vinn senti, nous vinn et quoi événement ça tout question la mort, c'est moun moun vinn pas signifier rien pour nous, moun la ça vinn pas li pas vinn signifier rien pour nous, comme une banalisation de la vie banal, voilà. Donc nous vinn plus cupide, on a l'impression pays a son gigantesque sorte cicatrice. Et puis cap gérer tout avec moun ki pi fou yo. Merci professeur Voltaire pour l'impression ça. Donc nous bon physicien avec nous. Et impression professeur. Oui, bon, moi même c'est professeur Richard Delva. En un mot, c'est connaissance pour une base de certaines connaissances dans le domaine géophysique et tectonique. Mm-hmm. Bon, les nappes réalité, hein, c'est que du côté du point de vue social, eh bien, professeur Voltaire déjà essayé d'appréhender ça qui vient là. Si vous pensez à haïtien, comment vous te concevoir ça qui est passé là, et comment le comportement vous gagnez, est-ce que vous changez, est-ce que nous repensez dans l'autre genre. Bon, moi-même, je vais laisser garder côté technique et côté scientifique, ça qui est supposé faire. Parce que comme Haïti, c'est un pays volcanique. Nous sommes situés sur le carrefour des plaques tectoniques. Surtout faille septentrionale et faille avec le plan de Garden, qui est épuisante. Tremblement de terre du janvier 2010 à payer. C'est ce qui est limite méridionale. Eh bien, pour faire ça. Mais alors que nous avons gardé aujourd'hui, ce qui est passé du janvier 2010, là, qui était causé en pile de monde. Même les constructions pas bien faites, mais tu as une certaine lacune en termes d'information au point de vue comment on comporter nous si tu as un événement, une catastrophe comme un tremblement de terre. Parce que les gens qui étaient dehors, ils ont appris à nous qui allons entrer dans le cas. C'est qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas d'informations sur ça.
c'est que nous pensons que nous point positif qui était qu'à gagner comme aider mon nous qui comporte notre gagner par rapport avec une telle catastrophe. L'ICA au point de vue social dans la famille, mais maintenant c'est à l'école. Si à pas fait à l'école, il qu'à continuer à l'université. De ce fait, nous avons dit peut-être qu'il y a des avancées qui fait, mais peut-être pas majeures. Nous avons regardé peut-être le Paris Garizo, un plan de construction qui vient en direction laboratoire national, c'est qui bat une série de normes par rapport avec un tel type de construction qui s'avait fait. Avant 12 janvier 2010, peut-être que là, mais il n'y a pas vulgarisé, je veux dire plutôt renforcé, mais il n'y a pas vulgarisé toujours. Et nous-mêmes, nous n'avons pas nous, des pensées qui ont été positives pour nous en tant que peuple, c'est regarder comment nous avons essayé d'apprendre jeunes nous, apprendre citoyens, depuis à l'école, depuis au niveau des 9e année fondamentale, bien pour bien science de la vie et de la terre. Ben pour SGP, ils ont parti pour la vie, ils ont parti pour terre là. C'est là pour formation qui a commencé fait, pour nous qu'à commencer à prendre citoyens, nous besoin peut-être qui t'a changé. Comment ce sont île volcanique, mais qui conditions qui réunit à tout vu qu'un tremblement de terre, c'est que qui savent vous faire les grands tremblements de terre qui a tout été adopté. Parce que peu de temps après nous, Japon, qui a un tremblement de terre qui est suivi, c'est en avril ou bien mars, qui était suivi par un tsunami, mais pas d'autant de monde qui était mouru même avec Haïti. C'est qu'il y a eu une bonne connaissance, ou expliquez-nous dans la période-là, dans l'école qui était environ 300 personnes qui étaient situées presque sous le littoral, là, ils n'ont pas bien rien après le tsunami. Parce qu'il y a eu une forme, il y a eu toute une position pour vous faire. Sous deux bâtiments, vous avez préparé l'espace pour ça. Vous avez tout monté sous deux bâtiments, vous n'avez pas gagné rien. Même les tremblements de terre passés après sa catastrophe, tsunami qui est venue. C'est juste pour nous venir, ce qui est une série de bagages, c'est à l'école ou à l'université pour qu'on ait quelqu'un. Il y a plus de gens qui connaissent à l'école, vous pouvez aller dans la famille, vous pouvez qui pas de connaissances pour ça, qui pas de chance à l'école, vous pouvez expliquer. Bon, moi-même, c'est. Un premier aspect, m'a regardé. Même les jours d'hier, nous avons un nouveau secondaire. Mais dans le nouveau secondaire, là, l'offre en tout de vous, on a regardé un livre, ou a regardé au point de vue tectonique, ou bien où ça a été jeté, qui ça va apprendre, si nous nous là-dedans, qui ça va apprendre, j'ai nous là-dedans. Mon point vraiment, pas un contenu vraiment par rapport avec ça, là. Mais après ça, si nous avons regardé, de toute façon, il y a des points, il y a des points positifs qui, passé à cause des 12 janvier. Moi-même, je dis à Sim, je dis connaissance, la tectonique des plaques, la géophysique, c'est grâce à 12 janvier 2010. Parce que côté grand mal à grand bien, c'est immédiatement, comme tout le monde connaît, c'est après 12 janvier 2010, qui vient partir, un bon jeune haïtien qui vient partir à continuer à l'étudier. C'est que moi-même, des bénéficiaires là-dedans, tout, qui fait des cafés en retour dans la géophysique. Si ce n'est pas 12 janvier, peut-être que je ne dois pas. On a rien la tectonique des plaques. C'est que moi-même, je vais garder quelques côtés positifs. Et après ça, il y a quelques leçons peut-être qui sont apprises. Le professeur Volpet a dit, il y a des gens qui ne mettent pas mettre en application. Parce que pour mettre en application, il faut avoir une force coercitive. Et l'État qui a un monopole de la répression ou bien de violence légitime, s'il ne pas mettre en application, il ne va pas vulgariser connaissance surtout. Parce qu'en Haïti, tout étude que vous faites sur papier, oui. Même si ça te dit, il faut que nous ayons vulgarisé connaissance sur papier pour nous appréhender. Par exemple, on a parlé des plans de construction. Le laboratoire national, mais c'est un grand film, peut-être, c'est la plan de construction qui vient de demander où est-ce qu'il y a dans telle zone, quel type de sol qui gagne, est-ce qu'il y a une faille secondaire, est-ce qu'il y a quel type de faille qui t'a traversé, qui charge un bâtiment capoté. Même si on continue là à Limonade, c'est que nous avons compris que j'en ai un bâtiment abdélabré, un bon côté qui fut suivi. C'est que nous parlons de faire cette tribunal là. Est-ce que le problème ça a été posé avant la construction ça a été fait? C'est que nous-mêmes, c'est dans la première analyse nous avons fait autour de ça, nous avons répondu professeur. Bien, et nous avons dit là, nous avons fait une autre impression. L'impression c'était que, gardez pour nous, que après 10 ans, merci, professeur, pour Belrali Sofia et surtout qui est très technique. Dans la question géophysique. Et
Je pense que après ça, c'est vraiment intéressant. Mais bon, petite question, parlez-nous bien simple là, pour moi. C'est que en termes humanité, monde, après 12 janvier 2010 pour les jeunes, c'est comment nous comprenons Haïtien, comment Haïtien voit monde, comment Haïtien voit évolution, comment Haïtien voit réalité elle-même. Qui ça a changé? Donc, depuis avant 12 janvier, nous avons pris le valeur que nous avons perdu. Nous avons pris le côté identitaire, ça allait même, c'est nous avons pris le valeur que nous avons perdu. Mais comme moi, j'ai fait approche là, et par rapport avec ces cousins, donc au niveau cervical, bon, moun, même genre monsieur Karim nous chante nous presque pas moun encore, donc dans limite nous arrivé là façon la vie vin banaliser pour nous. Bon, imaginez on pas perdu ça, on pas perdu ça hypocrisie. Alors, ou te mette moun ou y a gen groupe ou nan moment là ou tande ki mourou konta. La mort vin nou vin rive non limite. Nou vin rive non limite surtout avec les phénomènes qui passe nou là, qui sont banditisme là et actuellement là question haïtien. Jean y a lavé pays à vinné lié à fait là. On prend donc question la carte. Nous seulement, même j'ai presque même avec Bethio, au jour le jour, nous n'a fonctionné pour nous survivre. Donc avec ça tout, c'est comme sous longin tout, parce que Jean Bagala est là tout, c'est chaque coup pour éclairer bouger. Il faut le fond, Jean, pour nous gourmer, pour nous vivre. Donc après 14 ans après, au niveau question, à faire notion de vivre ensemble, au niveau question humanité, nous presque perdu ça. Nous presque perdu ça. Donc moi-même, dès qu'on analyse longtemps, d'après, parce que dans affaire reconstruction, pays à Kouta ou reconstruction monde d'abord, moi m'a demandé est-ce que c'est pas en 30 ans minimum pour nous apprendre. Ok? Donc ni moi-même, ni vous-même, et génération après mieux qui vient, ça nous veut le type de milieu. Nous d'accord, nous échouer, mais nous préparer depuis dans vaisseau, un groupe monde au moins pour nous avoir une nation que nous même nous gagner en tête nous, que nous souhaiter hein, à rejoindre Haïti chez nous. D'accord, merci. Merci professeur. Oui, bon, effectivement, on voit les vies, mon identité peuple haïtien. Après 12 janvier, et ça allait avoir ce rôle de tout ça. Et pour vous aider à faire ça contexte. Tout le monde pensait que Haïti va changer complètement après 12 janvier. Parce que là, tout le monde était sous tapio, tout le monde était presque égal. Et comme si tout le monde était en bon côté, parce que par exemple, l'autre bagage qu'il va faire, tout le monde presque sous le même pied d'égalité. Mais 20 ans après, tout le bagage va venir changer. Et après, mon en gros, mon en bas, j'ai aucun dire. Et tout le monde était sous tente, pas de ça. Vous ne quittez pas le château, pas de grand château, tout le monde était dans la rue. Mais après un petit temps, eh bien, le système n'a pas répondu pour nous-mêmes dans le pays. Toujours question de nous en haut, toujours question de nous dans le château, de nous dans le bidonville. C'est que les engagés, 14 ans après, bah, au lieu pour qu'il y ait un changement, c'est des malentendus, bah, ils vont aller. Professeur Vol, des autres disent ça du côté humanitaire. Et qu'est-ce que nous sommes nous? Mais nous avons toujours une faible reste quand bien même. Parce que si nous, là, si le professeur Gédéon a, avec l'initiative, ça a gardé la question, ça est parce que il y a des gens qui peuvent poser des questions. Jean professeur Vol, tu as dit, qui côté pour nous préparer pour nous commencer avec l'homme haïtien? Est-ce que c'est à l'école ou bien qui côté est-ce que c'est l'ambassade? Parce que je dis à moi, j'ai quelques initiatives, j'ai quelques livres qui ont été éducation à la citoyenneté, mais je ne sais pas à quel niveau l'éducation à la citoyenneté a commencé,
peut-être pour nous garder changement ça nous plus faire dans tête nous parce que le pas qu'a fait l'autre côté qui dans tête nous c'est que pour t'apprendre nous que nous c'est monde nous c'est un groupe de peuple nous avons même culture nous t'as supposé faire moyen pour vivre en symbiose côté nous il y a pour nous garder aussi nous t'ca rendre côté nous à pousseur nous pour nous t'ca vivre ensemble vraiment mais nous pas ouais ça mais on lit un espoir quand on regarde parce que mais nous avons monde qui a aussi gardé protection essayer faire la géographie des situations pour nous aussi nous t'a changé ça peut-être mais nous pensons peut-être c'est une date de 10 ans plus tard peut-être nous avons un résultat avec ça professeur Gédéo a regardé aussi la mise en contexte comment plus monde de cas essayer d'étendre par rapport avec Jean-Louis Jodia est-ce qu'il a pris conscience de ce qui est vrai nous avons changé la conception de nous. Parce que je vous dis, nous pas de valeur. Vous prononcez, nous, vous prononcez. Comme nous dit, nous créons ces créatures de Dieu. Nous avons des oreilles, nous avons des yeux. Qui fait, dès que nous avons des yeux, nous avons des oreilles et tout, nous ne pas marcher même avec nous, nous ne pas parler même avec nous. Nous avons aussi pouvoir toujours pour nous donner des bêtes, et pas bêtes, nous donner nous. Mais je vous dis, nous avons presque tourné là. Animal là, bon, nous ne pouvons pas avancer plus pour l'animalité des hommes, nous sommes incapables. Okay. Bien, merci, professeur, parce que nous acceptons, bah, impressionnons, sous 12 ans, j'ai fait passer 2010 ans et je ne vous dis pas que nous donc, c'est un plaisir, nous pensons que le public là a apprécié l'impression. Bien, pour la vidéo, encore une fois, nous vous remercions. Même les. C'est pas un bagage qui te veut parler. Mais de toute façon, bon, c'est comme ça l'émission. En fait, c'est comme ça l'émission avec citoyens. Bon, nous-mêmes, comme citoyens, nous avons l'impression que nous sommes bien contents pour l'initiative. D'accord. D'accord. Merci.